L'histoire commence au petit matin dans le port d'Amsterdam. Un à un, portant leur étrange sac à dos, les musiciens quittent le bateau. Un dernier retardataire. Cette fois, la troupe est au complet. Et le bus peut donc prendre la direction du couvent de Béthanie, où va se dérouler le premier concert de la croisière. Pendant que les musiciens se rendent au couvent pour préparer le concert, nous partons à la découverte d'Amsterdam au fil de ses canaux. C'est au XIIe siècle que des pêcheurs s'installent au bord de la rivière Amstel. Ils construisent un dam, un barrage doté d'écluses, pour se protéger des eaux. C'est ainsi que naît Amsteldam. Cinq siècles plus tard, les navires d'Amsterdam sillonnent les océans du monde et reviennent les cales chargées de trésors, dont le plus précieux d'entre eux, les épices de l'archipel indonésien des Moluques. Le XVIIe siècle, c'est l'âge d'or d'Amsterdam. Le siècle de Jan Steen, de Vermeer et de Rembrandt. La tension d'avant-concert qui se lisait sur les visages est maintenant retombée. C'est en souriant que la colonne de violoncelle traverse Amsterdam pour rejoindre le bateau. Le MS Amadeus a largué les amarres. Amadeus. Pouvait-on rêver d'un plus beau nom pour ce bateau devenu le temps d'une croisière, une salle de concert itinérante? Sur les ponts, alors que l'on quitte Amsterdam, il n'y a plus ni musiciens ni public, mais simplement des passagers prêts à vivre pendant une semaine leur goût du voyage et leur passion de la musique. Glissant sur les eaux du canal reliant Amsterdam au Rhin, l'Amadeus se dirige vers l'Allemagne et notre première escale, Düsseldorf.
Ligne droite du canal tendue vers l'horizon. Diagonale métallique des haubans traversant le ciel. Pendant que le commandant conduit son navire au milieu de ce décor géométrique, les musiciens commencent leur première répétition publique. 1, 2... Un petit peu lourd. Ah, d'accord. Alors ça va. Ah, et. La journée s'achève. Nous poursuivons notre route au milieu de la campagne hollandaise, baignée de la douceur crépusculaire. Au petit jour, nous arrivons à Düsseldorf. Capitale du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Düsseldorf incarne la puissance et la modernité allemande, sans pour autant tourner le dos au passé et à son histoire. Il suffit de se perdre dans les ruelles étroites qui serpentent entre les maisons de briques rouges pour retrouver le visage de la ville du XVIIe siècle. La ville de Johann Wilhelm, prince électeur palatin. Comme toutes les grandes métropoles, Düsseldorf a dû s'attaquer à la reconversion des quartiers nés avec la révolution industrielle du XIXe siècle. C'est ainsi que le vieux port sur le Rhin est devenu un terrain offert à l'imagination de très grands architectes comme Frank Augéry. Notre journée se poursuit à Cologne, la plus ancienne des grandes villes allemandes, qui doit son nom au titre de colonie donné par les Romains en 50 après Jésus-Christ. Avec ses deux clochers vertigineux dominant la ville et le Rhin, le symbole de Cologne, c'est naturellement la cathédrale. L'histoire de la construction de la cathédrale tient de l'épopée. Commencée en 1248, les travaux sont interrompus au XVIe siècle. Ce n'est qu'en 1842, grâce aux romantiques passionnés par le Moyen-Âge, que la construction reprend et que la cathédrale est achevée en 1880. À l'intérieur de la nef, la masse de la pierre semble s'élancer comme dans un état d'apesanteur. Derrière l'autel se dresse la châsse des rois mages, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'orfèvrerie médiévale. Cet ensemble gigantesque est humanisé par la douceur de la lumière pénétrant au travers de somptueux vitraux dus au peintre verrier de l'école de Cologne. On pourrait rester des heures à observer le raffinement de cette symphonie de couleurs, mais le moment est venu de prendre la direction de la Philharmonie de Cologne. On doit y retrouver les passagers et les musiciens de la croisière
pour assister à un concert dirigé par le chef Emmanuel Krivine. Accompagné par l'élégante fantaisie poétique de Maurice Ravel, nous quittons Cologne et reprenons le cours de notre voyage. Au cours de la nuit, l'Amadeus a poursuivi sa remontée sur le Rhin, mais arrivé à Coblence, il s'est engagé sur la Moselle, en direction de Corrèze, notre prochaine escale. Après la puissance du Rhin, nous découvrons la douceur de la Moselle, qui serpente paisiblement entre les collines couvertes de vignobles. Nous profitons de cet instant de calme pour évoquer avec Dominique de Villancourt l'esprit de cette croisière pas tout à fait comme les autres. À bord, il se passe des choses merveilleuses. D'abord, cette convivialité. J'invite des artistes de haut rang, de grande stature internationale. Mais d'être là pendant une semaine, 10 jours, avec toujours ces passagers qui dînent, qui déjeunent avec les musiciens à table, ils peuvent les inviter, etc. Il y a une amitié qui se lie, quelque chose de plus que lorsqu'on va en concert et on n'ose même pas approcher les musiciens. Donc là, pendant toute la semaine, les gens apprennent à vivre avec ces musiciens qui racontent leur vie dans des interviews, qui jouent, qui répètent à bord en répétition publique. Et donc, au bout d'une semaine, se lient des liens comme ça. Tout ça fait que la vie à bord est comme un enchantement. Pendant que certains passagers se laissent aller à la rêverie en regardant défiler le paysage, au salon, c'est l'heure de la masterclass. Au cours de cette séance de travail, Marcel Bardon, violoncelliste et professeur au Conservatoire supérieur de Paris, fait travailler un jeune soliste. C'est l'un des moments préférés des passagers mélomanes. Aujourd'hui, c'est Mélanie Badal qui est sur le grill. Les Russes sont des gens, quand ils quittent la Russie, ils emmènent toujours de la terre russe sous les chaussures. C'est la terre russe. Après, alors là, on rentre chez les poètes. Mais toute la première page, c'est la boue collée aux bottes. Oh.
de la boue. Là, on a encore un peu de terre, mais c'est un petit peu sec. C'est le son comme ça, tu vois, au fond. Hein? Moselle. Il y a toujours un grand plaisir à faire découvrir à quelqu'un, à un jeune ou à un petit enfant, comment tirer un archer droit. Comment lui faire découvrir une chose, discipliner son corps d'une certaine manière, de façon à ce que les sons qu'il produit avec son instrument vont être des beaux sons. Et les beaux sons se produisent que de peu de manières, ça invoque une exigence de tenue. Il faut beaucoup parler en images aussi. La musique ne se fait pas sans le paysage, sans les yeux. Hein, il faut savoir regarder les sons que l'on fait, hein, ou leur donner des couleurs. Messiaen parlait toujours de couleurs quand il faisait parler d'accords. Il trouvait des couleurs à ces accords. Ben nous aussi, il faut qu'on trouve des couleurs, il faut qu'on trouve des paysages, il faut qu'on trouve des impressions, des sentiments. Nous sommes arrivés à Corrèmes, une ville charmante blottie au creux d'un méandre de la Moselle et dominée depuis le XIe siècle par l'imposante silhouette du château de Reichsburg. Comme le rappelle ce bas-relief apposé sur un mur de la ville, l'histoire de Corrèmes suit en tout point celle de l'Allemagne. Si l'on accepte l'occupation de la ville en 1689 et l'incendie du château par les troupes de Louis XIV, aucun autre fait d'importance ne vient encombrer le passé de cette charmante cité médiévale, hormis peut-être les bonnes années de vendange ou l'importance des crues de la Moselle. Pendant que les passagers se promènent dans les ruelles de la vieille ville, les musiciens arrivent au cloître des Capucins où va se tenir le concert. Comment ça va ? Thank you.
Après avoir fait demi-tour, nous quittons Corrème et redescendons la Moselle pour rejoindre Koblenz, notre prochaine escale. Jour après jour, l'atmosphère devient plus conviviale et plus détendue. Les musiciens apprennent à se connaître et à vivre ensemble. Comme une parenthèse dans leur vie professionnelle dominée par les longues journées de travail en solitaire. D'œuvres seront interprétées au cours de la croisière. Donc, à l'heure où la plupart des passagers sont déjà endormis, les musiciens se retrouvent au salon pour une nouvelle répétition. Au petit matin, nous sommes à Koblenz. Comme pour réveiller nos sens en vue de la prochaine navigation sur le Rhin romantique, c'est Ludwig van Beethoven qui ouvre le concert au Palais Koenen.
Après cette escale exclusivement musicale, nous regagnons l'Amadeus. Dépassant la statue équestre de Guillaume Ier élevée au confluent de la Moselle et du Rhin, nous quittons Koblenz et commençons notre navigation en direction de Rüdesheim, au cœur de la vallée du Rhin romantique. Travailleur infatigable, artiste de génie, le Rhin a façonné au fil des millénaires un paysage d'exception. Une vallée cernée de rochers escarpés au sommet desquels s'accrochent depuis le Moyen Âge des châteaux fantasmagoriques. Mise en lumière au XIXe siècle par les romantiques, la vallée du Rhin est aujourd'hui l'un des sites touristiques les plus visités du monde. C'est à mi-chemin de Koblenz et de Rüdesheim que se trouve le plus mythique des rochers du Rhin, la Loreley. Au pied du rocher, le fleuve se resserre et forme des tourbillons. La légende raconte que la Loreley, une belle sirène, charmait les marins par son chant magique. Fascinés, ils oubliaient les dangereux tourbillons et sombraient dans le fleuve. Le Rhin est en dehors d'être une voie fluviale très, très fréquentée, c'est surtout une colonne vertébrale pour un certain nombre de cultures et d'identités nationales, surtout, qui ont été représentées par les musiciens, les poètes, les peintres. Et donc, chaque pays qui borde le Rhin a eu ses artistes et ses musiciens qui ont fantasmé sur le Rhin. Je pense parce qu'il y a cette magie et ce mystère de la vallée romantique du Rhin. C'est-à-dire le romantisme s'est nourri beaucoup d'épopées médiévales, d'époques anciennes, romanes, romaines. On remontait, on retrouvait. Le fait de fouiller dans ces époques où il y avait beaucoup de légendes, beaucoup d'histoires, a inspiré incontestablement les musiciens. Donc, une sirène comme le Loreley, on remonte à... Ou alors les nains qui sont le peuple des nains du fond du Rhin, donc qu'on trouve dans la tétralogie de Wagner, dans l'or du Rhin et tout. Ce sont tous des légendes qui ont incontestablement inspiré les créateurs. Il y a des exemples musicaux qui font que, par exemple, on trouve chez Handel des choses qui avaient été écrites par Mozart ou par des compositeurs italiens. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Mais il y avait quelque chose qui tournait dans cette Europe culturelle. Et ce qui tournait alimentait les différents inconscients, conscients et imaginaires de ces compositeurs. Et le Rhin ou d'autres fleuves étaient l'occasion de faire ces voyages. En arrivant à Rüdesheim, nous quittons le Rhin légendaire célébré par les romantiques. Les paysages grandioses de la vallée de Loreley ont cédé la place au charme provincial d'un petit village viticole. À Rüdesheim, nous sommes au pays du Riesling.
En parcourant la Drosselgasse, le cœur de la vieille ville, on a l'impression de pénétrer dans un décor de théâtre. Mieux encore, dans un parc de loisirs entièrement consacré à Bacchus et au célèbre vin blanc du Rhin. Mais il suffit de passer derrière ce décor un peu trop clinquant destiné aux touristes pour découvrir de charmantes cours pavées et pour rencontrer d'authentiques vignerons. Wir bringen auch keine persönlich. Alle anderen Kloster waren schon längst fertig mit ihrer Lese. Aber die Mönche von Johannisberg, die haben schon geheult. Nous pensions que toute la richesse de la ville se trouvait cachée dans les profondeurs de ses caves. C'était sans compter avec le trésor de Maître Siegfried. Alors, je vous souhaite la bienvenue au musée des instruments de la musique mécanique de Siegfried. Tous les instruments étaient construits entre 1780 et 1930. Le propriétaire du musée, il s'appelle Siegfried Wendel. Il a commencé de collectionner il y a 40 ans et aujourd'hui, il a plus ou moins 350 instruments différents. Il existe aussi un petit atelier à Assmanshausen, c'est la prochaine ville. Et là, ils font la restauration des instruments. Quand nous sortons de cet étonnant musée des automates, la nuit tombe sur Rüdesheim. C'est l'heure où dans les Weinstube, les tavernes, le Riesling coule à flot. Une nouvelle fois, l'Amadeus a navigué toute la nuit. Au matin, nous accostons à Mannheim. Gehen wir ganz vorne, ja? Ja, ganz vorne, wie es möglich. Warte, hinter sie so. Ce n'est cependant pas à Mannheim, importante métropole des bords du Rhin, que nous allons consacrer notre journée, mais à une autre ville située à quelques kilomètres, Heidelberg. Sur les bords de la rivière Neckar, Heidelberg est l'une des plus belles villes d'Allemagne. Construit à la fin du XVIIIe siècle, le très élégant Altbrücke, le vieux pont de grès rouge, est devenu l'un des symboles de la ville. Traversant ce pont sur lequel Goethe lui-même adorait se promener, nous nous dirigeons vers le palais du prince Karl, juste à temps pour assister au début du concert.
Heidelberg a été en grande partie détruite pendant les guerres du XVIIe siècle. En se promenant dans les ruelles de la vieille ville, on découvre tout à la fois des vestiges de l'époque gothique et des monuments de style baroque construits au XVIIIe siècle. Bombardée à plusieurs reprises à la fin du XVIIe siècle par l'armée de Louis XIV commandée par Louvois, le château d'Heidelberg n'a jamais été complètement reconstruit. C'est ainsi que ses ruines sont devenues au XIXe siècle l'un des symboles du romantisme. Ce qui reste du château, dont la construction avait commencé à la fin du XIIIe siècle, porte l'empreinte des différents princes électeurs du Palatinat qui y vécurent jusqu'au XVIIe siècle. Il subsiste quelques éléments d'époque gothique, mais la façade avec ses sculptures et ses pignons décorés de motifs inspirés de l'Antiquité évoque la Renaissance. À l'instant où l'Amadeus quitte Heidelberg pour une dernière soirée de navigation, que reste-t-il de cette aventure musicale au fil du Rhin ? Ce que je retiens de cette croisière, c'est une grande harmonie entre les musiciens, de toutes générations confondues. C'est vrai que le violoncelle, est le fil conducteur du programme, donc évidemment, entre violoncellistes, on se reconnaît. Et je pense que les artistes sont quand même des gens comme les autres. C'est-à-dire qu'on aime les mêmes choses, on vit dans le même siècle, on a les mêmes goûts. Alors c'est vrai qu'on s'intéresse à d'abord une technique, enfin un,
la maîtrise d'un art, c'est celui de jouer du violoncelle, du piano, de la clarinette ou du violon. On joue des musiques qui ont 300 ans, 200 ans, 150 ans ou qui sont écrites hier. Donc il faut arriver à se plonger dans les époques et voilà. Mais enfin, quelles que soient les époques dans lesquelles on se plonge, les hommes sont quand même des hommes et donc ils sont amoureux, ils ont peur de la mort, de la vie, de ci, de ça. Et c'est la même chose pour tout le monde à toutes les époques. Après, il y a des questions de style qui rentrent en ligne de compte. On ne dit pas les mêmes mots. Shostakovich ne dit pas les mêmes mots que Dvorak et donc et Mozart ne dit pas les mêmes mots que Jean-Sébastien Bach. Mais à part ça, il reste des êtres humains. Voilà ce que je pense, c'est pour ça que tout ça c'est très vivant. Au petit matin, la longue silhouette de l'Amadeus fait son entrée à Strasbourg. Née à l'époque romaine, en équilibre sur le Rhin, Strasbourg fut longtemps la ville frontière entre l'Empire et les hordes barbares. Après 2000 ans d'histoire, elle est devenue le symbole de la réunification franco-allemande, puis de l'Europe dont elle abrite le Parlement. Ville moderne, ville du 21e siècle, Strasbourg ne tourne cependant pas le dos au passé et aux traditions. Certaines sont récentes, comme ce petit marché dominical de produits du terroir. D'autres sont plus anciennes et plongent leurs racines au Moyen-Âge, époque où Strasbourg connaît son âge d'or. Strasbourg a le charme des villes d'eau et son histoire est intimement liée à sa proximité avec le Rhin. Alors même si ce n'est pas le Rhin qui coule dans le centre-ville, mais la rivière Ill, qui est un affluent du Rhin, eh bien Strasbourg a toute son histoire qui est bâtie sur cette proximité avec la rivière. Le quartier de la Petite France, qui est situé justement à l'endroit où l'île se divise en quatre bras, ce qui en fait d'ailleurs son charme, était un quartier d'artisans. Et ce quartier, qui était essentiellement occupé par des tanneurs, qui utilisaient bien entendu l'eau, ainsi que par les moulins et les meuniers, qui utilisaient l'eau également, eh bien ce quartier était un quartier industrieux, un quartier ouvrier. Et toute l'histoire de la ville, finalement, s'est construite autour de ce mythe de l'eau et autour de l'importance que cette eau avait pour le commerce de la ville, pour l'activité des gens et pour la vie quotidienne des Strasbourgeois. C'est au cœur du vieux Strasbourg, dans les bâtiments de l'ancienne douane construits au XVIIIe siècle, que se tient le dernier concert de la croisière. Depuis notre départ d'Amsterdam, nous avons, jour après jour, au fil de la croisière, marié l'émotion de la musique
et le plaisir du voyage. Chaque concert nous a ouvert l'horizon vers de nouvelles œuvres. Chaque escale nous a permis d'admirer les trésors d'architecture qui bordent la vallée du Rhin. La découverte de l'éblouissante cathédrale de Strasbourg constitue le point d'orgue de ce voyage d'exception. Thank you.